Bonsoir, c'est Xenox. On se trouve une nouvelle vidéo sur où est l'hôtel solaire sur Dark Souls 3. Du coup, nous allons y aller tout de suite. Donc, on va pas perdre de temps. La vidéo va être très courte. On va, je suis en train de vraiment de speedrun la vidéo parce que voilà. J'ai envie de dormir parce que vous voyez, les vidéos, moi je les fais toujours le soir et en général, je les fais à 1h du matin. Et en effet, il est 1h du matin donc j'ai envie de dormir. Donc, bref, du coup, là, ce qu'on va faire, c'est que on va du coup se diriger vers le château de Lodric, et exactement si vous l'avez aux grandes archives ou alors au armature dragon. C'est juste qu'en fait que j'ai pas tué, j'ai juste pas pris le feu en fait, c'est tout. Mais donc du coup on y va. Enfin, je vais pouvoir vous faire voir où est-ce qu'il faut aller, etc. Il y a beaucoup de personnes qui savent pas, et du coup aussi vous gagnerez aussi l'anneau du chevalier qui sera sur votre chemin, qui pourra du coup être assez pratique. On y va. Et aussi d'ailleurs, on me l'a fait remarquer, en fait je n'ai pas fait voir dans la vidéo avec l'armure d'Avel à quoi ressemblait l'armure d'Avel. Et bien justement, elle ressemble à ça. Voilà, c'est pas l'armure la plus belle, mais bon, c'est déjà ça. Du coup voilà, je voulais la montrer du coup, parce que on m'avait signalé du coup dans la vidéo où je montrais l'armure d'Avel que justement du coup que je l'avais pas montré. Et que du coup, bah, si les mecs qui commencent un peu le jeu, justement, bah, ils n'auraient pas trop pu savoir en fait si justement c'était quoi l'armure d'Abel. Mais du coup, voilà, là elle ressemble à ça. Donc, c'est petite, donc ça c'est un peu ma faute, je m'en excuse humblement. Du coup, maintenant ce que vous allez faire, c'est que là, du coup, vous allez arriver ici et vous montez à cette échelle. Donc là, tout ce qu'il y a de plus normal. Vous montez ici, faites attention de ne pas tomber, vous faites attention aux sorties, surtout aux petits monstres qui sont juste là, vous sautez ici, vous prenez juste ici l'anneau de chevalier qui augmente votre force de 5 points, voilà, et on va arriver vers ce monstre. Ça n'a pas suffi, et du coup on arrive ici. Vous avez ici quelques écailles de tirite, logiquement, si je ne me trompe pas c'est des écailles, oui, et juste ici vous avez l'hôtel solaire. Et vous pouvez du coup ouvrir vos médailles solaires. Bon, j'ai couché à 99. Et du coup, par exemple, vous pouvez avoir le sort engagement sacré que j'ai sur moi, qui augmente votre attaque et votre défense, si vous demandez. Ouais, c'est un petit peu augmenté. Et vous gagnerez aussi un autre sort que je n'ai pas sur moi, malheureusement, c'est la lance de foudre majeure, qui est tout simplement une lance de foudre. Et voilà, du coup, on atteint ici la vidéo, la fin de la vidéo. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé et n'hésitez pas à liker, vous abonner, etc. pour plus de vidéos, hein, tout simplement, et pour que je puisse devenir connu parce que c'est bien. Et à partir du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, bye.